Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans l'apéro pour ce nouvel épisode de Pokémon Bouclier, le 9ème épisode si je ne m'abuse. On va reprendre l'histoire comme d'habitude. J'ai un petit peu entraîné tous mes Pokémon, même beaucoup plus. Voilà, Trick est niveau 25, pareil pour Déception, tous niveau 25, sauf Stonelake qui est niveau 26, je sais pas pourquoi, je sais pas comment j'ai réussi à le faire passer d'un niveau supplémentaire. Ce n'est pas grave. Normalement je m'étais arrivé à tous au niveau, niveau 25, mais bon, c'est comme ça. J'ai cru avoir un problème de tour, en fait non, c'était un problème de multiprise. Et c'est peut-être la multiprise qui a tué la tour déjà la première fois. Vieille multiprise de plus de 10 ans, hein, qui a toujours très bien fonctionné, qui était bien en avance son temps, qui avait plein de choses sur elle, genre tout ce qui est courant par ligne, CPL, vous savez. Non, pas courant par ligne. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, tout ce qui est internet par électricité, paratonnerre, etc. Tous les problèmes qu'il peut y avoir, les problèmes de fréquence qu'il peut y avoir sur une ligne électrique. Et finalement, c'est elle qui a lâché, à mon avis. Du coup, toute la tour est sur une autre sur une autre prise. Tous les écrans, parce que j'ai encore besoin d'une multiprise. Sont sur la multiprise en question, vu qu'elle, tant qu'elle, ça ne demande pas trop d'énergie, elle tient le coup. Et pour la blague, on va m'offrir une multiprise à Noël. Du coup, j'attends le 25 décembre avec impatience. Voilà. On va revenir aussi sur les commentaires. On a Zach Duess qui nous dit les attaques sont faibles contre le type Nabil. Sans doute, vu qu'il va sans doute continuellement me répéter que je connais le principe des types à chaque épisode, à chaque fois que je vais l'affronter. Et enfin, le retour de Lazy Lady. J'avais pas reçu une notif pour les autres épisodes. J'ai pas de mal de rattrapage à faire. C'est cool. Super contente que tu sois de retour, mon petit Marcus. C'est sympa. Et sinon, à quand du The Outer World? J'ai hâte de voir la suite de tes aventures sur ce jeu. Moi, j'ai fini deux fois et franchement, j'attends déjà la suite. Bon, sur ce, j'ai des heures de visionnage qui m'attendent, la bise. Excellente question, je ne sais pas en fait encore comment je vais reprendre. Comme j'ai beaucoup de retard un petit peu à cause de ça sur Pokémon restera en vidéo, je pense que je vais streamer du The Outer Worlds et que je vais laisser en rediffusion tout ce qui est les épisodes de stream. Donc peut-être que ce sera des streams genre d'une heure pour que ça fasse un épisode d'une heure. Et je remettrai en rediff sur la chaîne YouTube. Ce que j'aurais récupéré du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dis-moi surtout toi ce que tu en penses, vu que tu as l'air d'aimer la série. C'est encore mieux quand c'est un fan de la série qui me donne son avis. Donc on va reprendre l'histoire de Pokémon et c'est parti. J'ai mis Trick en première position. Stonelake est toujours très faible, hein. Il n'a pas appris la moindre attaque électrique, soyons honnêtes. Voilà. Et la moindre attaque tout court, je crois même. C'est un peu problématique. Du coup, Trick va devoir faire l'affaire. Trick va devoir bourrer. Le balbasqué, voilà ça. J'ai un cadeau pour toi, ça ira. Mais bon, avec ma canne à pêche, je suis une apabole, d'accord. Mais si c'est peut-être une upgrade de la canne à pêche. Par contre, c'est sympa à dire. Oui, il n'y a pas à dire. Oui, c'est une Pokéball pour... faite pour les amoureux des Pokémon O. Il n'y a pas à dire, c'est bien fait de donner ça dans une arène de type O, je veux dire. Ah oui, c'est vrai. Du coup, tu connais mon nom maintenant? Ah, c'est une fan! C'est juste une fan! Faut se partir un puzzle? Ah! Nice! Je veux! Je sauvegarde. Je veux, j'adore les puzzles. Donc oui, j'ai capturé plein de Pokémon. Et j'en ai même mis quelques-uns à niveau 25. J'ai trouvé des Pokémon que je ne connaissais pas. Alors celui-là, je l'ai mis au niveau 25, vous me dites toujours dans les commentaires. Vous m'aurez sans doute dit, parce que j'aurais mis l'épisode 8 en ligne aujourd'hui. Vous me dites dans les commentaires si vous voulez le mettre dans l'équipe à la place de Déception. Voilà, il y a quelques Pokémon qui sont passés niveau 25. Citron Sorbet qui a évolué. Bon, j'ai une Tarambule, j'ai un Nounourson, j'ai... j'en ai mis d'autres niveau 25 normalement. Caninos qui est passé 25 aussi, effectivement. Petit boudet. Scrat qui est passé niveau 25 aussi. Chrysapil. Verpom que, voilà, qui est là, qui est niveau 24. J'ai pas fini de le monter. Je trouve un Epitrini, je trouve un Pochijon. Je trouve plein de trucs. J'ai bien agrémenté mon Pokédex au passage. Donc j'en ai profité. Je vous ai pas laissé en plan. Bonjour, jeune challenger. Je suppose que tu prends part au défi des arènes et que tu viens affronter la championne du type O. Oui! Commence par enfiler ton uniforme. Les vestiaires sont sur ta droite. Tu veux pas venir avec moi dans les vestiaires? Parfait, il te va à merveille. Tu peux maintenant commencer la mission d'arène. Attention, une fois la mission commencée, tu ne pourras plus accéder à ta boîte Pokémon. Ok.
J'aime bien les statuettes qui sont là depuis la première génération. On sait toujours pas quel Pokémon es-tu. Hein. J'attendais un vrai puzzle, pas un... Ah, ouais, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Voici la mission d'arène de Skiford. Le but, c'est d'arriver à la sortie du labyrinthe. Enfin, ce ne sera pas si simple, car il se peut que l'eau te bloque le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu? Eh bien, qui sait? Peut-être qu'appuyer sur les boutons pourrait aider. Et bien sûr, pour rejoindre les boutons, il faudra affronter d'autres ennemis. D'autres adversaires. Ok. Il y a un coup de sifflet. Génial. Bienvenue au stade de Skiford. 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 Alors, ce qui est bien, c'est que je regarde la saison 2 de The Crown en ce moment, donc... Je suis à fond dans le British. Et pour ceux qui ne le savent pas, ma petite sœur est prof d'anglais. Enfin, est en train de devenir prof d'anglais. Ça, c'est cool. Ou pas. Disons que j'ai beaucoup de gens qui... Je connais des gens qui sont profs et qui sont pas forcément en forme à Noël parce qu'ils sont profs. Hop les. Ah ouais, ça a été rapide. Je m'attendais pas à rencontrer un dresseur de ta trempe. Mon triton ne s'en remet pas. Ça c'est cool. J'aime bien quand les dresseurs réagissent comme ça, quand il y a un peu plus de personnalité dedans. Et c'est pas dur pourtant de faire ce genre de dialogue. Alors, rouge. Jaune. Et re-rouge, du coup. Est-ce que du coup on va apprendre surf? Parce qu'en fait, moi j'ai fait des tours et des tours de comment des terres sauvages, là. Tu peux couper l'eau en appuyant sur les boutons, mais tu dois trouver dans quel ordre le faire. Et du coup, je n'ai pas surf. Normalement, on avait vu dans les premières vidéos de gameplay du jeu qu'on pouvait avec le vélo rouler sur l'eau, donc je me suis dit, génial, je vais pouvoir aller voir un petit peu partout. Et je suis allé dans des régions où il y a des Pokémon niveau 50, où je devais faire de l'esquive tout le temps. C'était intéressant, hein, mais c'était pas simple. Et donc je ne peux pas rouler sur l'eau encore. Je faisais un tout petit peu overpower, enfin après c'est du type plante. Hein. Et aussi, donc vous ne pouvez pas capturer de Pokémon d'au-dessus du niveau 25, c'est vraiment, on ne peut pas capturer. Avant, on ne les contrôlait pas, mais là, on ne peut pas capturer. Pas du tout. J'ai mis un... Il y a des Pokémon Spectre niveau 29-30 que j'ai mis à 1 PV, que j'espérais pouvoir capturer, et je n'ai pas pu les capturer. Des Fantominus, que j'adore. Alors, je me suis un peu renseigné aussi alors sur tout ce qui est la chasse, avec un S. Tout ce qui est le Shiny, en fait, le Shiny Hunting. Et... Il va falloir qu'on affronte beaucoup de Pokémon. Alors je sais pas si je referai du jeu. J'en ai pas fait pour... comment que ça s'appelle pour... Let's Go. D'accord. Ok. Et là, si j'inverse, ça va mettre l'eau là-bas mais pas là-bas. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Après, ça dépendra du jeu, en fait, entre guillemets. J'ai vu déjà, il y a déjà des gens qui ont mis leur code ami derrière moi, enfin, m'ont proposé, entre guillemets, de me soutenir comme ça dans le jeu. Très bien, je ne peux pas plus vous en remercier. On arrive où, quand on va là? D'accord. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord. Le lien du Discord est dans le descriptif de l'épisode, normalement. Mais t'es pas censé arriver jusqu'ici, en plus il faut qu'on se batte maintenant. Cheryl. Dresseuse d'arène. C'est quand même stylé d'avoir ce genre de personnage finalement. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-le moi, rejoignez-moi sur le Discord. N'hésitez pas à me trouver dans la bande à droite. Et envoyez-moi un message. Un Remoraid. Et ouais, on fera des échanges. Je ne demande que ça. Surtout si vous avez un métamorphe 6 IV, que je puisse me mettre un petit peu peut-être à la stratégie. Un Kellocroc. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, je les recte tous en one shot. Lui, c'est un type haut encore. Je crois pas qu'il ait encore le type proche.
Donc ça aurait été la le quadra effet, on va dire, entre guillemets. Pierre qui roule, monte au niveau 26. Et pour la blague, je suis retourné dans la petite mine, vous savez. Et il y a des pierres qui roulent, enfin des je sais plus comment ils s'appellent, Pokémon, qui sont sur les rails et qui peuvent vous surprendre si vous prenez la grotte à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'ils vous arrivent dessus en suivant les rails, et ça peut vous rentrer dedans, etc. Je trouve ça rigolo. Oui, j'ai mon pull de Noël, avec Dark Vador. Mais... Alors, bleu clair. Ah, faut que je sois devant. Ah ouais, ah ça enlève tous les... Oui, d'accord. Et là, je reprends le rouge. D'accord. Ah non. I made a mistake. Bah oui, mais je suis coincé, là, du coup. Ah non, pas là. Pas tout à fait. Pas aujourd'hui. Ah ah! Et maintenant, je suis toujours plus coincé. Alors, Marcus, tu dis son cerveau. Ah, d'accord, ok. C'est le seul bouton bleu. Très bien, d'accord. Bah. Attends voir. Ah, il y en a un là-bas. Il y a un ordre, effectivement. Voilà. Celui-ci. Et enfin... Le dernier petit bleu qui va me libérer le passage. On va faire un petit instant promotionnel entre guillemets les amis. Si vous êtes autour du dans le nord, autour d'Arras, il y a un super escape game avec des super énigmes autour du thème d'Harry Potter. Je vous invite à y aller, il est vraiment génial. Je l'ai fait avec mon meilleur ami et des amis, etc. Quand j'y suis allé, des amis à lui. Vraiment, vraiment génial. Excellent. Allez-y. Le chemin de traverse, je crois qu'il s'appelle. Vraiment excellent. Vraiment, vraiment, vraiment. Et très gentil. Et pas si simple, finalement. On a eu un départ canon, mais... On a dû le faire avec une ou deux minutes de... On a dû le terminer avec une ou deux minutes de retard, finalement. On a bloqué sur certaines énigmes. Et vraiment bloqué dur. Les premières énigmes, on les a faites très très vite. Ils ont eu peur d'ailleurs, ils ont cru qu'on n'allait pas réussir à... Enfin, qu'on n'allait pas le faire dans les temps, qu'on allait le faire vraiment trop vite. Comme tu le... j'avais donné quelle voix déjà? Comme tu le sais, j'ai madame Donna. Désolé que tu aies eu à me chercher. Je me rappelle, j'avais fait Gaïa. Tu es venu à bout de la mission d'arène, qui était pourtant relativement complexe. Et je dis cela en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de dresseur Pokémon. Comment que je pourrais lui faire dire ça? Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques? J'aurais peut-être pas dû prendre Grey, j'aurais dû prendre son personnage dans Fanzone. Non, pas, c'est pas Fanzone. C'est quoi? On rappelle plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Un possi-possi-possi-run. Est-ce que Trick va se faire toute l'arène à lui tout seul sans se prendre un seul pet de dégâts? C'est là la grande question. Faut savoir que j'avais un nounourson niveau 18 qui affrontait des Fantominus niveau 30 en quasiment les one-shot. Je sais pas ce qu'il avait. Il était en forme. Donc, bon, là il fait le taf, hein, en vrai. Hein. Ah, peut-être qu'elle va avoir son évolution.
Je serais curieux. Ah, il est niveau 23 celui en face. Je tiens le coup pour l'instant. Oh, c'est seulement 5 niveaux. Torgamer. Ce n'est pas fini. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Bon. Ouh, Phytomax 110. Nice. Allez. Il est temps d'avoir une érection parce que techniquement Matrick augmente. Matrick est plus grande. Je tiens Matrick à deux mains. Alors, est-ce que je crois qu'il a une forme dynamaxée normalement. Ah, je croyais qu'il avait une forme particulière. Autant pour moi. Allez, au revoir Torgamer, hein, parce que t'as le double, malheureusement, t'as la double faiblesse. Voilà, sans prendre un pet de dégâts, l'arène, ça c'est fait. J'ai un vieux bouton. Je me suis regardé, j'aurais pas dû. Bon, l'avantage c'est que si vous me dites qu'il faut que je prenne Godmiché dans l'équipe, s'il a un niveau d'écart et qu'on roule sur les adversaires, c'est pas grave. Salut, tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Un petit peu d'argent, ça fait du bien parce que j'avais acheté une quarantaine de Pokéballs, j'en ai plus. Ma foi, je ne peux que reconnaître ta victoire. Poursuis ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître. Ton équipe et toi avaient su vous montrer digne de ce badge. Porte-le fièrement. Il va y avoir des badges qui sont beaucoup plus grands. Vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'au niveau 30. Ça fait seulement 5 niveaux d'écart. Je pense que le champion du type feu te fera une joie de vous affronter étant donné ton niveau. Ah. Ah. Accepte cette CT. Siphon. D'accord. Le type feu donc. Est-ce qu'on va arriver dans une région où il y aura du type feu alors? Par contre c'est chaud de... C'est chaud de passer du type eau au type feu, parce qu'en fait, finalement, vous avez une équipe qui va être forte face à ce type, mais pas forcément forte face... Bonjour. Ah oui. Qu'est-ce que je lui avais donné comme voix à elle? Oh, je m'en rappelle plus. Bon bah, je sais pas la voix que je lui ai faite. Le président t'attend au restaurant où les brise-lames. Ne traîne pas en chemin, s'il te plaît. Voici sa carte de ligue, au cas où tu irais oublier son visage. What? Le mec, je le regarde sans doute à la tête depuis que je suis petit. Le président Chirose ne remet jamais à plus tard ce qu'il peut faire sur le champ. Il refuse de faire attendre même un instant ceux qui pourraient bénéficier de son aide. Et moi, je n'aime pas que l'on fasse attendre le président, alors au galop. Faudrait que je trouve une voix. Peut-être avec un accent. Un accent anglais, peut-être. Ça pourrait être rigolo. On va essayer ça, tiens. Si ça lui correspond. Enfin, un accent anglais, ça va être insultant, mais... Bienvenue au Brise-Lame, le meilleur restaurant de fruits de mer de tout Galar. Merci, j'aime pas trop les fruits de mer, je suis désolé. Bonjour, est-ce que vous avez autre chose que... Monsieur? Non, je vais me faire foutre, ok, très bien. D'accord. Ah, Marcus! Joie à toi, à nous, et fêtons ta victoire! C'était quoi sa voix? Tiens, mais tu as été invité aussi, toi aussi? C'est ça. Oh, mais vous vous connaissez, merveilleux! Je vous en prie, prenez place! Désolé, c'est moi apparemment, Chéros. Je les regarde aussi.
Skiffold est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas. Il faut manger local. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres, vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnoliade se porte toujours comme un charme. Nous lui devons beaucoup, voyez-vous, c'est elle qui a découvert comment user les pouvoirs des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ses travaux, jamais nous n'aurions pu fabriquer les poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères de Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Elle me force même à porter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en Galarion qui permettent aux Pokémon de se dynamaxer. Et je suis navré d'apprendre que cette chère professeure Magnolia est préoccupée. Si seulement je pouvais faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Liv, veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kickenham? Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, monsieur le président. Je vais arranger cela. Il me faudra aussi un verre d'eau chaude. Sur ce, dois-je vous rappeler que le tune, monsieur le président? Quoi, déjà? Oh non, j'aurais voulu discuter avec Marcus. J'ai donné un accent au président. Merde! C'est dommage, mais que voulez-vous? C'est la dure vie de PDG. Mon temps ne m'appartient pas. Je ne vis que pour Galar. Mais quel genre d'homme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières? Oh, les talons, j'avais pas vu! Il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques? Je suis obligé d'y aller maintenant. Bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende, c'est là-bas. Au fait, tu as obtenu le badge. Oh, bravo, Donna est un adversaire coriace. T'as bien mérité cette CT pour la peine. Pourquoi ils nous donnent tous les CT en fait? Vengeance. En parlant de Donna, c'est une bonne copine. Je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, Challenger. Ok. Et le lieu est vide, vous voyez, en dehors de l'événement. Yo, toi aussi t'as le badge plante et le badge haut, c'est ça? Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même. Kabu, le champion de motorbike. J'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. D'accord, on va revenir à motorbike par la droite. Donc, à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à motorbike. Je sais plus. Autant faire un crochet par la mine. On tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Ouais, ça va être mieux comme ça. On va voir si nos attaques sont toujours faibles ou fortes contre le type Nabil. Est-ce que je soigne Trick? Il a perdu 5... Ouais, non, c'est pas la peine. Oui, j'ai capturé un cas d'oison en dernier. Ah! Ah oui, on arrive directement dedans. Bah dans ce cas-là, tant qu'à faire... Ouh! Est-ce que j'ai envie de vous capturer forcément? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans le lac? Mouah, 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 mouah. Pourquoi la musique fait ce bruit là? Ah, un barloche. Sol haut normalement. Donc ça va être très rapide aussi. Adieu. Alors je reviens ici un peu plus tard pour les capturer. Quand j'aurai une autre phase de Pex. Ok. Ah. Ah. Encore toi! Pourquoi ils ont mis un coup de guitare électrique d'un seul coup? Ne te méprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi, d'ailleurs. Te croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer en combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Je bats quand tu veux, où tu veux. J'ai été sélectionné par le président de la ligue en personne, tu n'as aucune chance. Ouais, mais il se souvient même pas de toi. Ah, le mec se bat avec des super beaux déjà. Allez, fais péter. Nucleos. Nucleos? Ah oui. Et il a des bras quand il évolue. Ça tombe bien, j'ai sabotage, mais... Sabotage! En plus, c'est typiquement le Pokémon qu'il faut pour ça. Avec ses allumettes. Ok. Je dois avouer que tu as un peu progressé, juste un peu. Il n'y a même pas d'XP, quoi. Scrutella. Mais Scrutella, c'est un type psy aussi. Euh...
Non, bon, on va laisser Trick, hein, pour l'instant il s'en sort. Je vais faire tout un épisode à la Trick. Ah oui, il a beaucoup de tipsy, c'est vrai, c'est pour ça qu'il est violet. Ça va faire mal. Pas tant que ça. Oh. Alors mec, techniquement, je m'étais rendu compte de ça il y a très longtemps. Je sais pas si c'est vraiment dans les faits, mais j'avais l'impression que quand il était un objet de soin, voilà, on faisait plus de dégâts après. Vous voyez, il a encore moins de PV. Ça c'est fait. On va envoyer Piafman. Bibiche. Ah, il est adorable ce Pokémon. Je crois... Non, j'en ai pas capturé encore. Faudrait que je sache parce qu'on peut le trouver. J'ai capturé un Krémy par contre. J'en ai mis partout. Tout le bureau est retint en blanc. Il est adorable. Il est juste adorable. Ça, c'est le genre de peluche que je mettrais à côté du lit d'un bébé, quoi. Merde. Il n'y avait pas un truc avec arrogance? Si, c'est bon, je m'en rappelle. Puisque c'est ainsi, je vais te faire goûter une capacité dont tu me diras des nouvelles. Rafale Psy. Putain, elle fait mal. C'est bon, je m'en rappelle. T'aurais pu l'esquiver, hein. On en fait encore un dernier coup. En fait, à chaque fois que j'améliore une stat, elle gagne beaucoup de force. Et là, comme j'en améliore deux à chaque fois, c'est ultra efficace. Ok, normalement. Ah ah ! Vous voyez ? Ah, c'est son Pokémon considéré comme le Pokémon le plus puissant qu'il a de son équipe, parce que c'est celui qui, pour l'instant, qui rapporte. Ça va être un Ponyta de galère. On va essayer de continuer sans changer, on va essayer de voir si je peux le one-shot. Tu as réussi à me pousser dans mes derniers retranchements, je t'en félicite. Ah. Arrogance. Ou arrogance. Ouais, c'est suffisant. Nice. Et là, c'est juste de la strat pour le coup. Hein. Hop, les Stunley qui passe au niveau 27. Tu es bien brave, donc j'ai eu pitié de toi et je t'ai laissé gagner. Quelle saleté. Il a un gros bracelet en or ou c'est moi? Ouais? Non, c'est une montre. Qui rentre d'ailleurs quand il fait ça. Elle rentre dans sa manche, c'est du détail, mais... Toutes mes excuses, il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, hein, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes, hein, mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de ligue. Mais what? Mais je trouve que ça ne fait aucun sens. À chaque fois qu'il y a un dialogue pour donner une carte de ligue, ça ne fait aucun sens. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles vœux à collecter. Ciao! Je crois que j'ai un viewer qui vient de me pincer le nez quand je fais ça là. Oh, des cradopos. Oh, je sais plus comment ils s'appellent. Je suis poursuivi par des cradopos. Ah, oh, l'agression. Bah tiens, justement, non. Un Limonde, mais de Galar. Ok. On va essayer de le capturer. What? C'est le type quoi? Ah, c'est un piège. Ah, peut-être le type acier, alors, du coup. C'est chiant, parce que ça a baissé ma précision. Voilà. On va essayer sabotage. Il est solide. On va essayer tapotige. Ah, la vache. Aïe. Vous voyez, c'est ça que j'adore dans Pokémon. C'est que d'un seul coup, on tombe sur un Pokémon qui non seulement va être résistant, mais en plus va être dangereux. Alors qu'avant, on roulait sur le jeu il y a quelques secondes. Allez, je tente ma chance. J'ai plus beaucoup de Pokéball, je crois.
J'en avais 38, je crois, à un moment. Ouais, je m'en doutais, c'était trop beau pour être vrai. On va réessayer avec une Pokéball. Et après, si ça passe pas, on lance une super. Allez! Allez! Voilà! L'immonde. Parce qu'il est... Bah oui. Je vais juste mettre ajouter une... Comment... Une apostrophe, y'a pas besoin de plus, hein. C'est... Tout est déjà dans le nom, hein. Seul acier, il se cache dans la boue et attire l'attention de ses proies avec son étrange bouche. Il les coince ensuite dans ses nageoires d'acier dentelé. Est-ce que c'est malin d'appeler ça encore des nageoires? Pas. Je crois que c'est il y a deux M à l'immonde. Voilà. L'envoyer dans la boîte. Ah, j'ai oublié qu'il allait m'agresser, j'ai roulé dessus comme ça. Mon Pokémon déborde d'énergie, il ne tient pas en place. Bref, il veut se battre. Une fois qu'on sort, on arrêtera les pieds dedans. Comme ça, ce sera une bonne finalité. J'ai fait le badge, l'arène, le badge et la route d'après. 10 000 ouvriers veut se battre. Vagomine. Vagomine, je sais pas comment je suis censé le prononcer en fait. Avec la zone qui est britannique, ou anglaise en tout cas, je ne sais pas comment prononcer la moitié des Pokémon. Ouais, c'est tranché, herbe. Ça passe. Heureusement que ça fait un coup critique. Me dis pas qu'il en avait qu'un. Par contre, ça va rapporter masse XP. C'est un Pokémon évolué. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, ça y est, il attaque feu. À la place de tour rapide. On est bon. Ça fait toujours de l'argent. Ça fait 10 Pokéballs, ça. On va mettre Stunley en face. S'il y a des types O dans la région. Je trouve qu'il y en avait juste à l'entrée de la caverne, mais bon, c'est pas grave. Oh, l'agression! J'en ai marre de bosser, je vais plutôt utiliser ce que j'ai appris sur le chantier pour me battre. J'en réfléchis à ce que pourrait avoir appris qui... Forcément, voilà, c'est bien ce que je disais. On va essayer de le paralyser déjà. Voilà. What? Ah mais normalement il est paralysé. Aïe. Ça va faire mal. Vous voyez, il est faible. J'ai pas d'autre mot, il est juste extrêmement faible. Là, je vais envoyer la déception. Là, ça va beaucoup moins bien marcher là. Bah ouais. C'est bête hein. Allez, pistolet à eau. Voilà. Vous voyez la différence ? Charpentier, type combat. Bon, on va essayer d'envoyer la binocle. Niveau 27 la binocle. Dans 3 niveaux il pourrait évoluer. Si mes prédictions sont bonnes. S'il a évolué la première fois au niveau 20, je pense qu'il va évoluer au niveau 30. Peut-être au niveau 40, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Choc mental. 26 pardon, je crois qu'il est niveau 27. Bon, ça ne saurait tarder. Pourquoi tu tiens ton...
Apparemment, on n'a pas les mêmes compétences au boulot et au combat. C'est bien ce qui me semblait, je cherchais encore. Non. Oh. Et donc... Attendez. Marche pas. Je peux pas encore me rouler sur l'eau. Me transformer en Moïse. Oh. Oh, c'est intéressant ça, c'est con presque que j'ai pas de Pokémon qui l'utilise. Ah, c'était un Limonde. Ah, alors. Pardon de te déranger, mais t'es bien un challenger, non? Oh là là, c'est super impressionnant. Tu voudrais bien nous accorder un petit combat? Ah, t'es là, Marcus. Waouh, tu as déjà trouvé des groupies. On dirait mon frangin. T'es qui, toi? On t'a pas sonné. M'appelle Nabil, je suis le prochain maître. Non mais lol quoi, on sait tous que le prochain maître c'est Rosemary. Quoi, vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. Allez viens Marcus, on va leur montrer. Ouais. J'agresse des gens qui m'agressent, c'est pas mal. Eh ouais, on est recommandé par le maître en personne, vous allez voir ce qu'on sait faire. Pff, vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est la dure réalité du défi des arènes. Pourquoi il a fallu qu'il réplique l'autre naze? Il était bien notre plan d'embobiner les challengers en étant poli pour mieux les dégager un par un. Un combat double donc. Ok. C'est des hyper balls qu'ils avaient? Lequel est le plus dangereux? Celui qui est dans sa dernière forme d'évolution, c'est le roublenard. Donc je vais miser sur roublenard le plus dangereux. Ah, me disait aussi. Ha! On va faire pareil avec le Linéon, on va le paralyser aussi. Putain, il a encore plus de vitesse que moi. J'espère que j'ai pas me louper. C'est bon, ça passe. Parfait, j'ai paralysé les deux. Grosse attaque, hein. C'est ce qui est génial, c'est quand t'es paralysé, que t'as envie de passer une attaque, t'as toujours envie de passer Mimikyu quoi. Ou rugissement peut-être. Sachant que j'ai encore les deux, je crois, voilà. Gigotage, c'est pas en fonction des PV, voilà. Parfait. What? Ah putain, c'est le jet de sable. C'est le jet de sable qui me reste. Il en faudra un troisième coup de pied en fait. Ça aurait été cool. Aïe. Stunley, fais pas le con. On va essayer de le soigner un petit coup. Tant pis pour gigotage, là c'est trop dangereux. Il en resterait qu'un, je dirais oui. S'il l'achève, tant mieux. Parfait. Stunley gagne 500 points d'XP. Est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien fait. Putain, il me met à midlife en un seul coup, quoi. Il y en a un autre. Ok. Dans ce cas-là, il est vraiment très faible. Non mais lol! Ça va me tuer. Ils vont me tuer à ce tour-ci. Ça y est.
Putain, le moumouton est plus efficace, quoi. Merci de pas m'attaquer. Non mais lol, dis-moi que tu vas envoyer un autre Pokémon. Ah bah voilà. Bon, moi on va essayer un gigotage pour le Léopardus. Il est encore plus rapide. Incroyable. Ah, oh merde. Et c'était un coup critique. Non, Stanley. Ah bah Stanley est mort. Ah, Stanley, t'as chié. Qu'est-ce que vous avez fait à Stanley? Je vais envoyer la pierre qui roule. À la limite, ce combat-là est plus dur. Bon, ça dit, je me suis mis un gros handicap en envoyant Stanley, mais... non, c'est dans ça que je dois avoir un rappel, voire une arme rappel, voilà. Putain, le temps de délai entre le moment où j'appuie sur A et le... En espérant qu'il profite de l'XP aussi. Ah, le petit moment où ce n'était pas suffisant. Attendez, ça veut dire que lui, il n'y aura plus qu'un Pokémon en lice pendant tout le reste du match. Ouais. On renvoie Stanley. Il faut qu'il profite du Pex. Il faut que je le fasse évoluer très très vite. Parce que là, il est d'une faiblesse affligeante. Aussi, j'aimerais bien un moment que la paralysie fasse son effet. Parce que je ne piche pas pourquoi ça ne marche pas actuellement sur l'adversaire. Je vais tenter un gigotage. Non ! Bon bah, je vais attaquer directement le dresseur à côté, c'est cool. Attaque le dresseur, bourre-le ! LOL ! LOL ! Je mise sur le fait qu'il ne peut plus attaquer du tout maintenant le... Ah putain, Acide s'est attaqué les deux. Le Bluzeil. Comme il est paralysé, il ne pourra plus attaquer alors que le Lignon pouvait passer toute l'attaque du monde. Ça y est, niveau 28. Toujours pas d'attaque. Hein. Voilà, il est paralysé, il n'a pas pu attaquer. Un quoi? Un pont d'espiègle. Pas eu le temps de dire. Ok. Pas de frémousse sur le pont d'espiègle. Le type combat normalement. Ah ah. Acide. Dommage parce qu'il est adorable. Ah bah, ok. Sorti de nulle part, c'est même pas un coup critique. Peut-être qu'il évolue niveau 28. J'ai pas le droit d'être au pif. On aurait peut-être une chance de gagner si on avait pu faire un max de bruit. Team Yell. Team qui gueule. Non, pas d'évolution. Toi là, t'es le petit frère du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné, il y a des frères mieux que d'autres. C'est Yellement pas juste. La team nous vengera. Bien joué, Marcus. Fais vraiment la paire, toi et moi. Oh putain. Prospère de couilles. Pardon, c'est une référence à la série Archer. Au fait, tu as vu qu'il y a but, toi? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. J'ai l'impression que cet épisode va durer 3 plombes. Un sac de sable doux. Oh, mouais. Il est shiny le Stanley parce que j'ai l'impression qu'il a un effet. J'ai un vieux doute. J'ai l'impression.
Je me disais, peut-être qu'il va pas me voir. Personne ne résiste à l'absence de la vapeur. Ouais, ok. Bah écoute, je suis pas censé le faire sur YouTube. Vous n'avez rien vu. Il ne s'est rien passé. Le cheminot. Non, t'es en grève en ce moment, je suis désolé. Rototop. Ah putain, c'est des types sols. Contre un type électrique. Ah, tu peux même voir si c'est super efficace avant d'envoyer le Pokémon. Ah putain, c'est pété. Je viens seulement de m'en rendre compte, mais c'est pété. Ouh, quelle résistance. J'ai zone out là pendant quelques secondes, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais ailleurs. Allez encore. C'est fait. Alors je suis pas sûr que... Je pense à ça parce que je pense aux différents Pokémon de type eau que je peux avoir. Je ne suis pas sûr que Godmiché évolue parce que c'est ce qui se fait bouffer par l'oiseau de le nouveau Pokémon oiseau au vol qu'on a pu voir dans les bandes annonces. Donc c'est, en fait il se fait bouffer par ce Pokémon là. Du coup je me dis que bah en fait c'est un peu comme Remoraid, quoique Remoraid évolue en Auxiliary. Autant pour moi. Je sais pas. Adieu le cheminot. Quelle force de ne pas pu résister. Tu peux me coller une amende parce que j'ai pas de ticket. Tourbissable. Ah, une CT sol juste avant une arène feu. Je veux pas dire, hein, mais... ah, c'est pas ce que je voulais faire. Nabil! Oh, il est d'un style! Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme voix? Miel, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger Avakomain dans son travail. Mais on voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Bon, la team Miel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez, hop, on remballe. J'arrive pas à refaire leur voix. J'ai voulu donner la voix d'un mec qui, à cause des flammes, a eu un cancer de la gorge, pardon. Pardon, c'est pas drôle. Je sais que c'est pas drôle, mais je trouve ça intéressant. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. C'est Cabu. Cabu. Truc. Comment il les a incendiés? C'est pas pour rien que c'est le champion du type feu. Ça va me détruire la gorge. Nabil et Marcus, c'est bien ça. Le challenger recommandé par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants au challenger. La mine de Galar numéro 2 regorge de Pokémon. Un véritable défi pour une équipe de type feu. Enfin, assez parlé, il est temps d'entrer. Vous êtes en route pour Motorbike, n'est-ce pas? Je suppose. Dans ce cas, continuez tout de même, vous y serez. Allez-vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour relever le défi des arènes. Au plaisir. Viens, mon brave Agomine. Je te raccompagne. De brûlants combats nous attendent demain. Je sais pas si je vais y arriver cette fois-là. Mon frangin m'a parlé de Cabu. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Ouh, c'est stylé. Du coup, on va pas falloir se relâcher. Et on quitte la dernière zone de la mine, je suis sûr. Ouais. Étonnant. On fait demi-tour dès qu'on rentre. Dès qu'on sort de la mine. Je vais voir ce qu'on a loupé juste avant. Le Vagomine tout à l'heure devait être là pour un Poké Service. Tu sais ce que c'est? Ah non, je sais pas, effectivement.
Ah, tu sais pas, attends, je vais t'expliquer. En gros, il y a des gens qui recrutent des Pokémon pour accomplir des missions. Il paraît qu'on peut les prêter les nôtres en s'adressant à l'Infotisma dans les centres Pokémon. En tout cas, c'est ce qu'il y avait décrit dans les notes du frangin. Bon, on file se reposer à l'hôtel et on a toujours nos chambres à Rose Bouton d'Or ou Motorbike. Non, au Rose Bouton d'Or à Motorbike. Il faut qu'on soit en forme pour demain pour affronter le Kabou, le champion de l'arène de type feu. Si tu veux. Mais moi d'abord, voilà. Rapidement, j'en profite une petite seconde parce que j'ai fait une très mauvaise blague, je trouve. J'ai beau la réfléchir, je ne l'apprécie pas. Enfin, une blague. J'ai fait une voix à ce personnage qui est très particulière. Je l'ai décrite de manière très dure. J'en suis désolé s'il y a des gens qui ont été atteints par cette maladie ou certains de vos proches, ou même certains d'entre vous. Sachez que je ne suis pas insensible. Cette vidéo sera diffusée normalement le 11 décembre. Dites-vous que le lendemain, ça marquera un anniversaire particulier pour moi. C'est un proche, mon père, qui est décédé du cancer. Du coup, oui, si je fais cette blague, c'est parce que j'ai une petite connaissance de cette maladie, parce que j'ai subi ce que subit l'entourage d'une personne à qui ça arrive. Et pour moi, la tristesse qui entoure cette maladie, malheureusement, je n'arrive pas à la canaliser autrement qu'en essayant d'en faire rire, parce qu'il faut, il faut pas que les gens se disent, tout simplement, que ça ne touche que les autres. Je préfère en rigoler et que ce soit quelque chose que les gens entendent, que les gens comprennent que ça existe, que les gens s'accommodent à cette maladie, parce que c'est quelque chose qui risque de nous toucher très longtemps. Les avancées des recherches sont pas faramineuses. Le seul moyen de s'en sortir, c'est malheureusement d'être dépisté extrêmement tôt. Il n'y a pas vraiment de panacée, il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de rappel non plus, malheureusement, ni de rappel max. Donc voilà, moi, je préfère en rire, que les gens comprennent que ça existe, que ce soit une banalité pour les gens, que ça ne leur tombe pas dessus comme ça m'est tombé dessus personnellement. Qu'ils comprennent que ça existe autour d'eux et que voilà. C'est la simple et seule raison pour laquelle je me suis permis de faire une mauvaise blague. Je ne sais pas si je continuerai avec cette voix. Je verrai. C'est peut-être aussi parce que ça tourne dans ma tête à cette période de l'année que je me suis permis de prendre cette voix-là. Malheureusement. Dites-moi dans les coms aussi ce que vous en pensez, entre guillemets, de ma voix, hein, la maladie. Bon, je pense qu'on est tous d'accord sur cette merde. Hein. C'est de la merde. Il n'y a rien d'autre à dire. Que ce soit pour le patient, et c'est encore pire pour le patient, bien sûr, le malade, que pour sa famille, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Avant de se laisser... Oh bah... J'attendais à mieux. Et encore une fois, très peu de Pokémon... Putain, il va plus vite que moi en vélo. Bon. J'ai pas vu de Pokémon nouveau dans cette... À part le Limonde. Oh, un Noirfang. Agression! Oh bonjour, jeune dresseur. Accepterais-tu de te mesurer à une grande dame de ce monde? Ah. Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Un vol, toutou! Ah. Voilà qui pose problème. Tentons notre chance. J'ai fait frotte frimousse avant lui donc. Ouais, ça marche pas, ça le paralyse. Ok, ça va être un combat très intéressant. C'est mieux. Jusqu'à ce que... J'aurais peut-être lui donner des restes à bouffer en fait à lui, comme il est très très faible, il pourrait récupérer quelques PV à chaque tour. Très très faible. C'est relatif, mais je veux dire, il a quand même 6 niveaux d'écart et j'ai du mal à affronter un Voltoutou, quoi. Ah, Pierre qui roule! T'as failli passer niveau 28! Un Rhinolove. Ça, c'est un type vol. Ça, c'est bien. En plus, il est évolué, donc normalement, je devrais avoir une bonne quantité d'XP. C'est la première évolution, je crois. Je crois qu'il y en a deux. Je suis pas sûr. C'est pas d'une ultra efficacité non plus. Essayons acide à nouveau.
Je vais lui envoyer la déception pour qu'il ressente la mienne. Tout simplement. Ah, faut qu'il profite de l'XP, il est trop faible, il faut que je le fasse. Il a de la gueule. Il a de la gueule, c'est un bébé Kadom dont je m'attends à un Pokémon. Disons dans le même style, mais avec des genre une. Vous savez, un vieillissement plus qu'une évolution. Voilà. C'est fait. Je me suis basé du fait que s'il avait des attaques psy, c'est qu'il avait sans doute un type psy. Résultat, ça a bien marché. Pierre qui roule est passé niveau 28. Je pense pas qu'il évolue au niveau 28, c'est un peu trop tôt. Pauvre de moi, je constate que tu disposes d'une certaine expérience au combat. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ah bah, prochain Pokémon dans la poche, hein, in the pocket celui-là. Hein. Par contre, ça va être le combat des faiblards. Hein. C'est un type psy. Du coup, ça va le soigner de la paralysie ? What ? En plus, il est déjà niveau 25, je crois. Génial. Elle est déjà niveau 25. En vrai, je sais pas s'il peut apprendre fauchage, Stunley, mais je le verrais bien en Pokémon de capture. Enfin, si je peux le capturer avec une Pokéball, ce serait juste parfait. La capture avec une Pokéball. Qu'est-ce que j'ai en Pokémon de type psy ? Ah, c'est Larvibulle. J'aime bien Larvibulle. S'il est de type fée psy, je vire Larvibulle. On s'en fout de Grimace. Il aime les lieux inhabités, s'il perçoit des émotions trop fortes, il s'enfuit aussi vite que possible. Je sais pas. Il a la tronche d'un Pokémon qui devient un type fée ensuite. Ça le truc. Et les types fées, c'est super puissant, je trouve. Je crois que s'il y avait un type fée acier, ce serait fini. Il n'y aurait plus de stratégie, il serait dans toutes les équipes. Je sais pas s'il y en a un type fée acier. Ah non, il va dans l'équipe. Ce qui veut dire qu'il faut que je le rename. On va l'appeler Kadom, je vois que ça, hein, de toute façon. Il a quoi comme suprême talent ? Cœur soin, soigne parfois une attention de... Oh, un allié proche. Ah, c'est nul. J'irai en capturer d'autres sans doute pendant le montage de cet épisode. Non ! Halt, tu es venu dans l'arrestation pour te battre contre moi. Putain, mais... Et franchement, c'est limite, hein. Avec ce qui se passe en ce moment en France. Il va me rect. C'est bien ce que je dis. Ah, j'aurais tellement aimé que tu sois paralysé dès le début. Elle est stylée, Roue de Feu. Je l'ai sur mon Caninos, elle est vraiment stylée. Allez! Ça m'arrange! Avec un peu de chance, la troisième attaque va pas passer. Une petite recherche vite fait. Un Pokémon paralysé a 25% de chance de ne pas attaquer. Mon cul, oui. Faut le dire. Ah, 29. Nice, Stunley. Est-ce que t'es voulu niveau 29? Ce serait bien.
Parce que pour l'instant, t'es vraiment faible. Non. Quel dommage. Encore un pont. Personne. Ok. Ah oh bah on est arrivé. Bah écoutez les gens, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vérifier, le commenter, le partager, vous abonner. Moi je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures de Pokémon, s'il n'y a pas de problème jusque là. Je remarque qu'il fait nuit dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi. Mais que ce n'est pas en fonction de l'horloge, en tout cas pas dans le jeu normal. Dans les terres, désolé, je crois que c'est en fonction de l'horloge. Désolé, pardon. T'as désolé la capitale. Dans les terres sauvages, c'est en fonction de l'horloge, mais là je ne suis sûr de rien, entre guillemets. Ah si, j'adore Bibichute, on va l'appeler comment? Kadum, je vois que ça. Kadum, marque déposée. Hop. Allez, on finit avec ça. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Très important, les amis, n'hésitez vraiment pas. Et ça permet d'avoir plus de dialogue dans la série et plus de commandes d'interaction. Dites-moi ce que vous pensez au niveau de... je sais pas si je peux rajouter le petit R. Pas l'impression. Non, il y est pas. Ok. Voilà. Non, c'est bon. À propos de The Outer Worlds, et moi je vous retrouve donc encore une fois demain. Voilà. Salut les gens, et yop !